Et salut à tous, et bienvenue sur ce live. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit live. Et il faut bien avancer nos carrières. Donc bon, il faut s'y mettre. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voili-voilou, on va mettre la caméra. Coucou. Coucou, salut. J'espère donc que vous allez bien. Et que vous allez bien, voilà, que vous allez bien. Tout simplement. On va donc continuer notre carrière sur FIFA 16. C'est écrit dans le titre, c'est ça, je me suis pas planté. Oui, c'est ça, on fait notre carrière sur FIFA 16. Hop, je recharge un peu ma page. Value, value. Donc voilà, on va continuer notre carrière sur FIFA 16. Nous voilà repartis dans le jeu. Et on va. Voilà. On va tout simplement continuer notre aventure. Alors je ne sais pas. Salut Mathieu. Moi ça va. Moi ça va. Donc on sort du match contre Paris où on a perdu totalement de manière dégueulasse. Alors qu'on aurait pu, on aurait dû, on aurait pas qu'on aurait pu, on aurait dû faire match nul. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On va faire un match contre Saint-Étienne, un match contre Montpellier. Et ensuite on a une petite trêve internationale. Et puis on reprendra championnat, coupe, coupe, Ligue des champions, voilà, et tout ça. Coupe du monde et tout ça. Allez, on va avancer vers ce match contre Saint-Étienne. À quoi elle ressemble déjà mon équipe? Je me souviens même plus. Ça fait longtemps. Oh là, il va falloir faire tourner un peu. On va déjà commencer à créer une compo B. Non, pas C. Il y a d'abord un B avant de mettre un C. C'est mieux. Alors, et on va essayer de faire une équipe où on va tourner. Ce qui risque d'être un petit peu compliqué. Hop. Voilà. Ici, Boykan n'est pas titulaire. On va plutôt mettre Jacob. Des gens qui jouent pas tout le temps. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est vrai qu'on est un petit peu juste. On est un petit peu juste. Salut à ceux qui arrivent. Diego, il joue pas tout le temps. C'est pas un titulaire. Même s'il mériterait. Sampaoli. Mais Sampaoli veut plutôt jouer MOC. Même si c'est plutôt Pinares qui devrait jouer MOC. Parce que du coup, ouais, j'ai viré Slity. Bref. Bon, c'est Sampaoli. En tout cas, il joue pas tout le temps. Makidju qui va jouer Titu, Kaloulou, et Marion. Et là, on va mettre lui. Et l'équipe B, ça serait Pinares, Litty. Ouais, assez de milieu. Ouais. Ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal. Salut moi. Voilà. Donc voilà pour la compo B. C'est la compo B que j'ai changé, on est bien d'accord. C'est la compo B que j'ai changé. Donc j'ai mis Pinares dans la compo A. Ce qui ne me va pas. Parce que c'est. On me le propose même pas, mais c'est Slity. Qui normalement va là, mais qu'est-ce qu'il est blessé, Slity? Où est-ce que je l'ai foutu? Ah bah il est là. Et pourquoi il est là? Normalement c'est Chavalerin qui va ici. Voilà, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais, grosso modo, c'est à peu près ça. Voilà. Alors, quand ça va le truc? Après, il y en a une semaine, ok. On aura le temps de reposer. On va jouer qu'une équipe B. Donc, face à Saint-Étienne. Non, je suis en train de dire. Putain, Saint-Étienne sent du vert, ça fait bizarre. Là, si tu prends les deux maillots comme ça, t'as pas l'impression que c'est Saint-Étienne. Ça fait bizarre hein, de les voir comme ça. On va pas les mettre en vert parce qu'on est déjà nous-mêmes en vert. On va les mettre en blanc. On va même les mettre en alternatif. On sait jamais. Des fois qu'on confonde les chaussettes. Allez, Marion, on va faire jouer Salvino parce qu'il est moins fatigué. On va mettre Bamba sur le banc. Comme ça. Et Kaloulou titulaire. Comme ça, c'est la folie. On en a rien à foutre.
Bastos, ouais, ça me paraît plutôt équilibré comme ça. Et le deuxième gardien, parce que nous, on s'en fout. Ouais, mais ça, après, on verra. C'est pas encore défini exactement les postes de titulaire, mais c'est défini pour le moment comme ça. Puis ça changera, hein. Savalin, c'est vrai qu'il est pas très physique. C'est un peu son problème. Mais il est pas mal quand même. Il est pas mal. Il pleut. Allez, on accueille Saint-Té. Match difficile. Ça, c'est une bonne équipe. Ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué à FIFA. Donc je risque d'être un peu rouillé. Si je fais de la merde, ça serait pas étonnant. Wow! Monsieur l'arbitre! Salut! Quoi? Mais pas de carton, monsieur l'arbitre, mais t'es fou! Mais t'es fou! Est-ce que tu me. Non, tu me mets même pas le ralenti de ma faute. Attends, je me mets en plein écran parce que. Mon jeu qui lague un peu, c'est un peu casse-couille. Sympa au capitaine, ouais. Ouais. C'est moyen, un peu moyen ça. Non, c'est quoi cette passe en retrait dégueulasse? J'ai jamais demandé une passe en retrait comme ça. Ça y est, le jeu commence à me faire rappeler que c'est vrai qu'il fait des très mauvaises passes tout seul. Mais faut pas que je lui fasse confiance au jeu. Il fait très mauvaises passes. Carton, ça vaut un carton, ça. Ça vaut un carton. Là, par contre, tu mets un carton. Ouais. Parce que là, c'est... Ouais, si. Ça m'aurait été plus carton que la mienne, en tout cas. Parce que là, je passe devant lui, je lui prends le ballon, et hop, il met le petit pied. Il met le petit pied à Ouma. Il met le petit pied pour faire tomber Sampao. Et voilà, moi, c'était pas volontaire, c'était un tacle, tout ce qu'il y avait de plus banal. Tout ce qu'il y avait de plus basique. Bah. Ah non. Pourquoi t'as pas eu plus de force? Voilà. Toujours les très très bonnes relances sur le gardien. Enfin sur les joueurs. Du gardien sur les joueurs. Bah ça. Ça sent le but ça. Il y a trop de Stéphanois et pas assez de mes joueurs. Non laisse. Pourquoi t'as pas laissé? Pourquoi t'as pas laissé? Live vient de commencer effectivement. Pourquoi il a pas laissé mon joueur? Pourquoi il s'est senti obligé d'intervenir? Wow! Wow! Il va se calmer un peu le garçon là. Ah! Calou qui est un poil trop court. Ah, il se fait agresser sur l'arbitre. Il se fait agresser. Même pas ça devrait être possible, ce genre de choses. Il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. Ça fait un zéro. Ça fait un zéro, c'est le but. Exceptionnel, le but de qui? Je ne sais même pas. C'est qui? C'est qui? C'est un de mes joueurs, moi. C'est qui? La boulette. La boulette. C'est qui? C'est Kaloulou? Non, c'est pas Kaloulou. C'est Kaloulou? Non, c'est pas Kaloulou. C'est qui? C'est Jacob. Ah d'accord, c'est Jacob. Putain, il était monté vachement. Il était monté comme un fou. Je pensais pas que c'était lui. Bon bah ça fait un zéro. Un vieux ballon volé. Cette interception sublime. Non, comment tu t'es chié dessus, garçon? Il sait même pas se retourner. Il n'y a pas un seul qui lui est rentré dedans, là. Wow! Voilà, j'ai des chutes de framerate, des fois, c'est très agaçant. Bah allez, reviens à la faute.
Je me suis remis en 4-4-2, non? Je suis en comme ça là. Tout classiquement. Mais c'est pas changé, c'est sur PES que. C'est sur PES en fait que je joue en comme ça aussi, mais que ça marche moins bien. Ah non! Faut te faire un peu plus présent, mon garçon. Oh là. Kaloulou. Non, mais putain, mais Kaloulou quoi. Il fait une bonne récupération et derrière il rend le ballon. Kaloulou, il est fou. Il a pas envie d'être payé à la fin du mois. Non, c'est quoi cette passe? C'est quoi cette passe quoi? Le mec. Le mec, il fait tout bien sauf sa passe. Allez, Salvinho, Salvinho, la frappe. Un but ultra château. Salvinho qui marque. Salvinho, 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 c'est la même chose. Ça doit être un Brésilien, puis c'est tout. Oh là 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 là. Il a frappé tellement fort que ça rebondit comme si la main de Ruffier c'était un poteau. C'est là pour que ça bondisse comme ça. Mais ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Bon. Je dois dire que. On domine totalement cette équipe de Saint-Etienne. De la tête et des épaules. On va dire que nos buts sont totalement justifiés. Quel abus. Quel abus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. Je vais. J'aimerais bien baisser le son des commentateurs. Et d'un peu tout le monde, parce qu'il me casse un peu les oreilles. Voilà, ça va aller mieux. Psychologiquement, sinon ça. La vidéo bug? Non, non, la vidéo va très très bien. La vidéo est présente, la vidéo est parmi nous. Wouah! Ouais, là quand même, il fallait vraiment bien anticiper, garçon. Fallait y croire. Hein. Alors, ces centres aussi, toujours sublimes dans FIFA. C'est une horreur. Hein. Faut vraiment bien les caler, les centres. Hein. Non, c'est pas lui, c'était pas pour lui. C'était. Ah! Allez, va chercher le ballon, mon garçon. Va chercher le ballon, mon garçon. Voilà, c'était quoi ça? Djigo! Faut se montrer un peu plus présent, du coup on n'entend plus les commentateurs, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Putain, je sais pas pourquoi, mais ils bougent pas beaucoup, je trouve, les Stéphanois. Ils ont fait un bon début de match, mais après, ils se sont éteints. Ils se sont éteints. Jacob! Jacob pour le troisième. D'accord, le doublé de Jacob. Bon, ma foi. Ma foi. C'est vraiment Ruffier dans les cages, parce que j'ai un doute, il ressemble pas à Ruffier en fait. Il a sûrement dû partir Ruffier parce qu'il ressemble pas à Ruffier, gardien. Ils ont dû acheter un gardien en mousse. Ouah, mais je l'ai même pas touché, monsieur l'arbitre. Je l'ai même pas touché. Mais on va regarder qui c'est le gardien parce que ça me stresse. Non, c'est dans les notes. Non, enfin, non. Plus facile de retrouver, c'est là. C'est Moulin, d'accord, c'est Moulin. Eh ben, il mouline. Il mouline. C'est tout ce qu'on peut lui dire, pour le garçon. Il peut pas grand-chose. Allez. Est-ce qu'il va y avoir la réduction de l'écart de sainteté? Peut-être. Une réaction d'orgueil. Et bon, la défense est là. La défense est présente. La défense s'est réveillée. Il a pris le café ce matin. Et la défense se tient bien la baraque. Le petit contrôle. Le petit. Ça suit. Ça suit pour Salvinho sur l'aile. Salvinho. Oh, le Brésilien qui se fait totalement.
qui se fait totalement violenter par le Stéphanois. C'est une horreur. Bon, d'accord. Mon joueur, il fait la passe comme ça. Il fait une passe mauvaise comme ça. Et voilà. Là, je m'incroyais, il y avait faute. Monsieur l'arbitre, j'avoue. Non ! Kaloulou ! J'avais voulu que ça soit pour Kaloulou dès le début. Ah oui, merde. J'ai cru qu'il allait reprendre un jaune. Mais en fait, non, il avait... Le jeu avait déjà anticipé le jaune. Il avait déjà mis un jaune automatiquement. Alors, on est à combien de minutes, là ? 73e, il faut faire des changements. Il est temps. Boykan qui va rentrer à la place de Jakob. Makechouf qu'on n'a pas vu. Sliti qui va jouer à la place de Sampao. Avec la place de Sampao, j'ai dit. À la place de Sampao, qui c'est qui jouait? Ah, c'était Boykan que j'avais fait rentrer. Sliti qui va rentrer à la place de Sampao, donc, je disais-je. Voilà. Pour éviter qu'il prenne un rouge. Et Pi qui va rentrer. Ou... Il est bon, lui, on tire? Oui, il est bon, toi. On va rentrer à la place de notre ami Kaloulou. Voilà. Je vise combien, quoi? On est 14, je vise combien? Comme ça, je vise combien? Allez, changement. C'est Sliti qui le tire. Sliti, ça c'est directement sur le gardien. Allez, Diego, hop là. Diego, le contrôle, hein, pas terrible ce matin. T'es sûr que t'as pris ta dose de café? Pas sûr. Je suis pas sûr, tu manques un petit peu de... Oula. Tu manques un petit peu de vivacité, mon petit. Ça fait la deuxième fois que tu te fais prendre dans tes dribbles comme ça. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Oh, ça sent le but. Oh, bien joué, gardien. Bien joué, gardien. Le bel arrêt. Son premier match au gardien, en plus. Allez, gardien. Bien joué, gardien. La confiance de l'équipe, le gardien. Talent fou. Ouah. C'est quoi cette protection de balle de folie, là? Allez, on y va. Pressing, un fou. Pressing. Pressing comme des fous. Allez, Amouma sur le côté. Allez, c'est dévié. Ça sera un recorné. Tu vises combien de personnes en live? Je m'en fous. Les gens qui voudront venir. Hein. Ça m'est égal. Hein. Ça m'est égal. Ah, il est tombé tout seul, monsieur l'arbitre. Je veux pas savoir. C'est pas ma faute. J'étais pas là. Non, il n'a pas centré encore. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel? Il a rien fait, le pauvre garçon. Qu'est-ce qu'il a fait? Bouah. Monsieur l'arbitre, t'es sévère quand même. Il fait juste son travail, le pauvre garçon. J'ai demandé contestation de cette décision arbitrale. Allez, vite, on dégage. C'est bon, laisse tomber. De toute façon, c'est la fin du match, on s'en fout, ça fait 3-0. Au pire, ça fera 3 buts à 1, c'est pas grave. Pas comme si on était à 1-0. Allez, Diego. Diego, c'est sorti, monsieur l'arbitre, on a tout vu. Voilà. C'est la victoire 3-0 sur Saint-Étienne, victoire assez inattendue avec une équipe B. Ma foi, qui s'est pas pris la tête. Hein. Qui s'est pas pris la tête, on lui a fait deux cadeaux. Elle a pris les deux cadeaux. Et Paris qui gagne et qui perd. Paris qui perd 2-0 contre le stade de Reims. Paris qui perd, on est 3ème. Qu'est-ce qu'on a fait déjà? On a fait tant de matchs que ça déjà. On a fait déjà 2 défaites. Ah oui, mais contre Paris. Putain, on aurait gagné contre Paris, on aurait été bien là. Sampao, ah oui, ouais, bon. C'est pas son problème. Y a pas de problème, Jakob. Si t'es bon, tu joues. C'est la politique de la maison. Ouais. On va partir sur ça. J'ai pas d'autres joueurs qui sont bons. Jakob. J'ai Jakob, justement, notre ami Jakob. Pinares, il va travailler autre chose.
Est-ce que c'est bien beau les passes? Bon, ça va, les passes déjà, il est pas mauvais en passe. La finition, ça pourrait lui servir. Il a combien en endurance? 77, c'est déjà bien. On va entraîner Jacob alors. Il n'y a que 19 ans, le garçon. A éliminer ses vis-à-vis, il a combien d'endurance? 67, c'est pas beaucoup. Allez. Pourquoi la plupart des joueurs prennent Red Star? Ben, moi je sais pas, c'est pas moi qui ai choisi. Comment c'est pas moi qui ai choisi, c'est vous qui avez choisi. Moi j'ai demandé qui je prends. Et on m'a répondu à la très grande unanimité le Red Star. Donc. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai encore un peu la voix qui part un peu en couille. Ah, il a l'air bon, lui. Il est pas là très fort, mais... Enfin, très fort. Très fort physiquement. Attention, il a l'air un potentiel. Effectivement, il a l'air pas mal. Il a l'air surtout un peu cher. Poste digne de l'équipe, mais il est un petit peu trop vieux. Ouais, et puis après, on avait vu, c'est de la folie. On a combien? On a plus d'argent, je pense. Oui, on a plus d'argent. Me connaissant, on a plus d'argent. Ah, bah tiens, ce qu'on va faire, on va faire une demande de par anticipation. Voilà, on va demander 1 million pour éviter la relégation. c'est quoi le problème? C'est qui déjà? Ah oui, c'est Sampao. Parce qu'il est sur le banc. Parce qu'il est bon, il est sur le banc. Bah, tu me le remplaces tout seul. Mais tu mets pas un gardien à la place. Allez, on va jouer contre le même Pellier avec l'équipe A. Pourquoi il a une flèche vers le bas, Sliti et Graciani? Et lui aussi? Ah oui, parce qu'on a perdu contre Paris. C'est ça. C'est ça. Tu peux y aller avec les gars, hein? Pour avoir le moral dans les chaussettes, ils sont champions. Hein. S'il m'a bien gardien à la place d'un joueur de champ. Pour mettre Jacob. Putain, Pinares aussi. Tout le monde a la tête au fond du seau. Bon. Non, j'ai pas de centre de formation. Et les agents libres, j'ai regardé, il n'y a pas grand-chose. Cette saison, c'est une très mauvaise saison, très mal générée pour nous, puisqu'il n'y a pas d'agents libres qui valent la peine. Sinon, il n'y a que les vieux agents libres qui étaient déjà là avant. Et ils sont trop chers. Mais les nouveaux, les régénérés, ils sont trop mauvais. De toute façon, on n'est plus en période de mercato. Quoique même les agents libres, je crois qu'on peut les signer n'importe quand. Mais je pense pas qu'ils arrivent. On peut les signer n'importe quand, mais. Oula, c'était pas pour là, la passe. Allez, Palin, sur le côté. Palin met l'autre. Oh, bah Palin, mais tu sais même plus faire des passes, Palin. Oh, mais c'est quoi ça? Il sait même plus faire des centres, mon petit Palin. T'es trop vieux maintenant, c'est ça? Tu me donnes l'excuse de l'âge. Ah! Pourquoi tu fais pas la passe, Chavalerin? Mon petit. Mon petit. D'accord. C'était quoi cette intervention défensive? Wow. La meilleure défense du championnat, ça me fait penser à l'année passée. Oh, dommage. Parce que ça, c'était... Ça passait, c'était bien. Wow. Dommage, ça partait bien pour City. Ah bon? Et ça intègre son équipe directe? Bon, en tout cas, ils sont mauvais. Donc, faudra que je regarde, mais... Il me semble qu'on avait regardé la première fois, ils étaient pas très très bons. Allez. Tiam. J'aurais bien voulu un appel vers le haut, mais malheureusement il n'y a personne. Putain, mais pas là quoi. Tu sais plus faire grand chose avec tes pieds, mon pauvre garçon.
Ah, mais c'est quoi cette passe? Et pourquoi j'ai plus du tout d'attaquant là? J'ai plus du tout de défenseur. Moi, je me retrouve avec plus de joueurs Montpellierin que de joueurs de mon équipe. Ah, il est tombé tout seul! Il me met pas un carton! Il est tombé tout seul! Il a glissé! Il a glissé! C'est pas ma faute! Je vais pas prendre un carton parce que le garçon il glisse sur une peau de banane! C'est pas moi! C'est l'excès de savon dans la pelouse! Pas les nettoyer avec de l'eau et du savon! Je l'ai dit au jardinier. Mais c'est pas le mien. Non. On n'est pas chez moi. Ah bah c'est pas ma faute. Encore moins. Ouais, le bon centre. Sauf que le joueur à la réception était un petit peu à la rue. Ouh, mais en plus il est blessé quoi. C'est inadmissible, monsieur l'arbitre. C'est inadmissible. Je suis désolé. C'est inadmissible. JCP va rentrer. Blessure de Chamalerin. Voilà, voilà, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Voilà, voilà. C'est de la bulle, c'est de la bulle. Non, c'est trop sur le gardien, ça. C'est mal tiré, mon petit Slitty, là. Tu te ficherais pas un peu de moi? Hop là. Je me demande toujours comment ils font pour te prendre le ballon dans le dos. Là, par exemple, là, comment il fait pour me prendre le ballon dans le dos? Bien joué, ça c'est un beau tacle, ça c'est un beau tacle. Voilà, t'aurais dû blesser, tiens. Ça lui aurait pris. Allez, la passe au gardien. Bim. Comme ça, comment des buts dans FIFA 16. Fait gros pressing sur gardien. Perd ses moyens, il nous donne le ballon après. Non, non. Ah, c'est quoi cette passe? C'est quoi cette passe? Il est hors jeu. C'était quoi cette passe? Le décalage était pas mal, les enfants, mais c'était vraiment limite, quoi. Dans l'exécution, c'était vraiment assez moisi, quoi. T'es en plus Bamba quoi. Mais c'est pas loin hein, parce que le défenseur en bas il était pas mal. Hein. Il était pas mal. Allez. Allez les gars, un peu de panache s'il vous plaît. Je joue à quel niveau? Je joue au niveau légende. Il faudrait un peu de panache, les hommes. Enfin, ce serait bien. Un peu plus. Dans les dribbles, notamment. Un peu plus d'envie. Ça ne veut pas dire qu'on est en Ligue, on est en Ligue 1, qu'on doit mal jouer. J'appelais Zank. Wouah, c'est quoi ce contrôle? Bien joué, Thiam. Ça, c'est du physique. Oh, ça sent la perte de balle, ça. Ah, ça sentait la perte de balle. Ah, je le sentais bien. Oh, putain. Oh, c'est quoi cette passe? Mais c'est quoi cette passe? Mais les gars, quoi. Faites gaffe un peu à vos passes. C'est du niveau CP, ça. C'est du niveau CP, les enfants. Planté, tu te couches alors que tu vois que t'as ton collègue qui est là, quoi. Pas se coucher comme ça, mon garçon. Fais confiance un peu à tes collègues. Comment ça, il est hors jeu? Comment ça, leur jeu? Je parais que voilà, là il était pas hors jeu. À la seconde où j'ai fait la passe. Oh, comment tu peux voir le hors jeu à l'œil nu là? Tu peux pas. En plus, il avait fait la différence, le garçon. Il avait tout fait. Il avait tout fait. Ouais, là par contre, s'il n'y a pas de hors jeu.
Ouais, là, il n'y a pas de hors-jeu, tu vois. C'est encore Palin qui a la traîne. Oh, c'est ça. Oh là 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 là, cette passe. Ouh, bien joué. Bien joué. Ça, par contre, Sliti. Ça. Ouais, il me roule dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il me marche dessus, mais c'est pas grave, monsieur l'arbitre. Aucun problème. Tout va bien. Allez. Et sauf que le défenseur, ils ont peut-être oublié d'aller le couvrir à celui-là. Putain, il m'aurait marqué un but comme ça. Gardien ! Putain, pourquoi le défenseur il saute tout seul, quoi ? Il m'a fait peur, le défenseur. Heureusement que le défenseur, il est transparent. Allez. La frappe, ah, dommage. C'était pas mal joué. C'était pas mal joué. Il manque un peu de patate. Allez, Thiam, il va sortir. Qu'est-ce qu'on va faire entrer ? Pinares à la place de Sliti. Est-ce qu'on fait entrer Marion ? Un peu de vitesse, un peu moins de physique, un peu plus de vitesse. Ouais, quoique. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Jacob, plus de physique. Jacob, je sais pas si on va pas le titulariser en fait. Diego, pourquoi pas. Pi, ouais, mais Pi, il est déjà rentré en cours de jeu. Je ne sais pas. Je changerais bien. Et c'est passé quoi? Depuis 30 minutes, on a fait une victoire, mon petit François. Victoire 3-0 contre Saint-Té. Assez bizarrement. Grâce à merci Saint-Étienne qui nous a donné deux buts. Enfin, allez, un but et demi. Parce que le deuxième, c'est quand même un tir. Ouais. Ouais, on va rester comme ça. On peut pas faire grand chose de plus. On va se mettre en offensif parce que ça a pu le contre. Ça a pu le contre si on se met en offensif. Bon, mais tu te laisses prendre le ballon comme ça, toi. Toi, t'es un péloï, toi. Tu te laisses prendre le ballon comme ça, toi. Non, c'est quoi cette passe? C'était pour Palin? Pourquoi t'es allé la faire là? Moi, j'attends, je voulais que Palin il avance. Tout simplement. Oh là là, ce tacle. Je voulais pas dans ce sens-là. Allez, mais dépêche-toi, donc on contrôle un peu, mon garçon. Un peu plus de mouvement, les enfants, sinon on n'y arrivera jamais. Oui, je viens de te mettre Modo. Exactement, de suite, à l'instant. Ça sent le vieux but hein, de Fouine, là. Ça sent sérieusement le but de Fouine. Oh, ouvre les yeux, garçon! Non, mais c'est pas vrai, les gars. Putain, vous êtes chaud avec vos contrôles. Non, c'était pas pour lui, la passe. C'était pas... Non, mais bah, mieux. Tu te fiches de moi, mieux. Bah ouais, mais c'est sûr. C'est sûr. Avec des mecs qui savent pas faire des contrôles dans les 10 dernières minutes, qu'est-ce que tu veux avancer, quoi? Bon, mais match nul. Allez. T'es pas dégueulasse quand même. Hein. T'es pas dégueulasse le match nul. T'es pas dégueulasse. Non, t'es pas automatiquement Modo. Je t'ai mis Modo en 2-3 mouvements. T'as même pas eu le temps de le boire. Joueur blessé, chevalerin, combien? 9 jours, c'est pas grave. Mon rôle dans le club. S'il te plaît. Pardon? Ah, d'accord. D'accord, d'accord.
Je prends un point. J'aurais pu quand même largement espérer mieux qu'un point. J'aurais pu en prendre 3. Du coup, on est 4e. Et puis 3e. J'ai oublié de faire l'entraînement. Comment tu gères le live? Comment ça, comment je gère le live? J'ai des, modérateurs qui sont là pour ça. Moi, je ne fais rien. Non, je déconne. Non, je plaisante. Je fais quand même quelque chose. Je lance le live. Allez, Ah bah, tout va bien. Bah, il est là. Il n'y a pas de problème, JCP, il a pris un point. Puis derrière, il y a toujours une flèche vers le bas. Qui c'est qu'il y avait une flèche vers le bas, lui aussi, planté aussi. Bah, faut se relever un peu, les gars. Hein. C'est ta 4e saison. Ah bah non, quand même. Ma 2e. J'en ai pas fait autant que ça, encore. Ah, même pas tu testes, le gardien, de la mort. Ouais, non, mais pour le Red Star, c'est bien un point. Sauf que pour moi, non. Moi, je vise qualification Ligue des Champions première saison. Comme ça, on ira vite. Troisième saison, on la gagne. Comme ça, on a terminé. Non, je plaisante. Je plaisante, mais une place européenne cette année, ce serait bien. C'est tout à fait jouable. Wow! Tu vas te calmer le sexe, toi. Fortes là, il a même, pas un brin de physique, il vient m'emmerder quoi. Ouais, ça c'était un petit peu juste. Ah non, 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 non. Je suis dans ma folie. Ouais, mais là encore, là, comment tu veux. Tu peux pas le voir, le nul, là, tu peux pas le voir. D'où ils sortent ces arbitres là? Ils peuvent pas, ils ont pas le droit. C'est totalement interdit, tu peux pas. À part s'ils ont le Canal Plus Replay. À moins qu'ils aient le Canal Plus Replay pour voir exactement à l'œil, faire arrêter. En Ligue des Champions, j'aurais 0 points. Non, mais non. Mais non. C'est ce qu'on dit. tu peux faire quoi quand t'es modo? Bah tu peux... Voilà, tu vois, comme le monsieur qui vient de dire un truc là, à l'instant, tu vois. Yuxel Akar, là, tu vois, lui, il va être au-dessus de ban. Et si les modos sont sympathiques, ils vont enlever son commentaire. Voilà. Et comme le deuxième aussi qui a marqué... Après, voilà. On enlève ça, s'il vous plaît. Les enfants, les modos. Non, ils peuvent bannir des gens. Enfin, ils peuvent time out. Moi, je peux bannir définitivement. Je peux bannir définitivement. Eux, ils peuvent time out. Ils peuvent supprimer, je crois, les messages. Moi, ça roule. D'ailleurs, mais moi, je vais supprimer. Hop, tu vois, regarde. Hop, là. Supprimer. Par exemple. Et que je suis moche, ben, moi je le sais. Donc tu vois, du moment que moi je le sais, ça me gêne pas, tu vois. Ça, ça sent le but, ça. Ouh. Et normalement, quand t'as le petit drapeau pour enlever les commentaires, il y a marqué ben, supprimer ce commentaire. Je sais pas si tu peux le faire, moi je peux le faire. Moi je peux, j'ai le pouvoir, je suis modo suprême. Allez. JCP, montre-moi que tu sais te servir de tes jambes. Parce que c'est relativement pratique dans le foot. Allez, un petit appel sur le côté. Voilà, voilà, c'est parfait ça. C'est parfait. 2-0. Ah bon? Je suis pas sur une console, je suis sur le PC. Et je joue en mode carrière classique. Signaler message. Ah oui, donc tu peux pas les supprimer. Mais moi, je peux les supprimer. C'est Slitty qui marque. Ça faisait longtemps qu'il avait pas marqué Slitty. J'avais même pas fait gaffe. Ah bah d'ailleurs, Slitty le doublé d'ailleurs. J'avais même pas fait attention que c'était lui qui avait ouvert le score.
Comme quoi, le poste de milieu offensif, hein, je dis dans PES que c'est un poste important, mais c'est pas des conneries, hein. Le mec est milieu offensif, il met un doublé. Voilà. Un poste important. Il faut un joueur qui soit irréprochable à ce poste-là. Bon, c'est pas toujours le cas de City. Il faut aller un petit peu invisible. Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien que le joueur qui est MOC, s'il fait pas un bon boulot, je le critique à fond. Hein. Parce que c'est un poste ultra important. Ah, dommage. Ah, dommage. Dommage deux fois parce que ça aurait pu passer la deuxième fois. C'est pas passé à la première, ça aurait pu passer à la deuxième. C'est sorti. On a tout vu. Les joueurs de Braga se sont fait voler leur crampon. Ah bah c'est pour ça qu'ils ont perdu. Ah, je déconne. La frappe et ça fait 3-0. Des fois ça vaut bien. Hein. Soit signale le message ou la photo de profil et toi. Alors. Ouais, moi j'ai. Attends, je vais vous dire ça. Moi j'ai supprimé, signalé l'image, signalé un message, bloqué l'utilisateur et bloqué l'utilisateur temporairement. Et définir quelqu'un comme modérateur forcément. Hop, désolé, on revient sur le jeu. Ah, c'est Salvinho qui marque son troisième but. Jamais j'aurais les meilleurs buteurs de la ligue. Parce que j'ai trop de monde qui marque. Et pas assez de fois les mêmes joueurs. Bim! JCP! La vitesse, JCP! Non, c'est quoi cette passe? Il m'a demandé une petite passe. Il m'a envoyé une torpille devant. Pas exactement ce que je voulais. Oh, ah, il y en a un qui s'est fait retourner. Un de mes joueurs, il s'est fait retourner, monsieur l'arbitre. Il n'avait pas le ballon et tout. Agression. Ça va chercher loin, ça. Ça vaut bien un beau rouge, ça. Oula, Palin, tu commences à me faire peur avec tes contrôles. Ne me dis pas que c'est l'âge. J'ai déjà fait la remarque dans le match précédent. Tu as 26 ans, je suis désolé. Je suis plus vieux que toi, je pense pas que mes pieds soient aussi mauvais. Allez, accélération de Bamba. Bah non. Mais non. J'ai voulu, mais non. Ouh, c'est pas mal cette frappe. D'accord. Oh, la tête qui est mal faite. Ah, il y a une mise à jour au fait FIFA, tiens. Avant que je lance le jeu, il y a une mise à jour. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, merde, est-ce que je vais pouvoir commencer le live à temps? J'avais pas anticipé la mise à jour. Je sais pas une mise à jour de quoi. Hein. On n'est pas informé. Ton garde ne nous informe pas. Il n'y a même pas un patch note pour te dire qu'est-ce qui a été corrigé. Non, non, une mise à jour, c'est tout. C'est quoi? C'est la mi-temps? Non. C'est fini? Ah non, c'est la mi-temps. Non. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps et déjà 3-0. Ah bah la 9ème, 20ème et 30ème. Il aurait fallu qu'il marque à la 10ème. Hein. Ça aurait été bien, ça aurait été 10, 20, 30. Ça aurait été parfait. Ouh. Ouh. Ça aurait pu. C'est quoi tes équipes dans les championnats principaux de foot? Comment ça, mes équipes? Moi, je n'ai aucune équipe. Je suis pas assez riche pour posséder une équipe. Les équipes que je supporte, je suppose que tu veux dire. Ben, j'ai pas vraiment d'équipe que je supporte. J'aime bien Toulouse parce que c'est... Ouah, Sliti! Sliti était pas loin du triplé sur ce ballon. Il était pas loin du triplé. Il était pas assez grand. Il manquait 5 cm. Au moins. Somptueuse. En tout cas, très cool ma chaîne. Merci, ça fait plaisir. C'est le but. Voilà. Il se fait passer deux joueurs. Faut que j'arrête de faire le fifou. Bien joué, Palin. Le corps, il a fait parler le corps, le garçon. Ouais, il a pas trop montré de physique, mais... Ouais, j'avais personne pour récupérer le ballon. Tout le monde s'en fout.
Pourquoi j'ai un joueur à moi sur le côté là? Pourquoi il s'échauffe? J'ai envoyé personne à l'échauffement. Attendez 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu parles. Je joue de la musique. Tu parles de ça? Je parle à la pépette. D'accord. Ok, c'est rien, c'est rien. C'est maman qui est folle. Enfin, c'est maman. Vous aurez compris, c'est ma femme. Et elle, ça fait des mots espaces. C'est pas bien de regarder des vidéos quand on est en formation, mon petit. C'est pas bien. Faut pas. Bamba, oh là là, t'as failli te faire piquer le ballon entre les jambes. Là, j'aurais compris, parce qu'il a écarté les jambes. Mais des fois, tes joueurs, ils ont les jambes collées, mais ils arrivent quand même à prendre le ballon par derrière. Non, ce contrôle un peu trop long. Il aurait pu lancer son coéquipier sur le côté. On va faire des changements, d'ailleurs. Ouais. On va prévoir des changements. Qui c'est? C'est rien. Non, je vais faire comme ça. Allez, Makeljouf, il joue pas souvent. Boyken, Boyken, allez. Pinares, qu'il faut qu'il retrouve une bonne forme. Ça dépend. Quand ça joue mal, ça fait quand même, ça pique un peu les yeux des fois. Mais il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. C'est le physique, tout simplement. Il tient pas au physique. Oula, ça sent. Ouh. Ouh, ouh. Ouah, ça s'est bien relancé, ça. Bien joué. C'est pas qui c'est qui m'a fait ça, mais c'est une très très belle relance. Oh, il est pas hors jeu, c'est limite. Ouah. Ah, non, c'était quoi cette passe de merde? La frappe. C'est le bordel. C'est le bordel dans la défense du stade de Reims. La défense est rincée. La défense du stade de Reims est rincée. Bamba, pourquoi c'est Bamba qui s'amuse à faire des centres? Ah non, dommage. Dommage, t'avais tellement bien joué ton coup, mon garçon. Oula. J'ai fait. Oui, j'ai fini un de mes jeux. Ouais. J'espère que c'est pas le dernier que je vais finir. Mais... C'est ça le problème en fait. C'est... Je joue trop au foot en fait. Du coup, en fait, comme c'est interminable, c'est ça le pire en fait. Hein. C'est des jeux que tu peux pas finir. Hein. C'est ça le pire. Hein. Oh là là, quelle relance sereine de la défense. En vrai, jamais tu vois un truc comme ça. Wow! Bamba, il faut être un peu plus sur le ballon, mon garçon. N'aie pas peur, il va pas te manger. Ouah! Monsieur l'arbitre, mais c'est de la folie. Mais il a pas le droit de me faire un truc comme ça. Allez, c'est bien lancé. Lloyd Palin sur Bamba. Bamba, il a pas d'accélération. Il va falloir que je fasse entrer Kaloulou. Ah, c'est risqué, ça, gardien, ouais. Je pense à me dire, t'as un gardien, il fait les dribbles de trop, il fait le fufou, là. Il se fait mener 3-0, le gardien, il fait le fifou. Là. Allez. Oula, ça sent le but, là. Ouh, pressentiment de but, là. Ah, bah non. Ouh, peut-être. Il y a trop de... Bon, ça va. Ça va. En 2026, t'as eu le temps de jouer jusqu'en 2026, et ben moi j'aurais pas eu le temps. Bon voilà. Ok, allez, ciao. Est-ce que j'ai été choqué quand j'ai appris que Vic était mort dans NBA? Qui c'est Vic? Ah, Vic. Non, mais ça je le sentais venir. Enfin, c'est dégueulasse ce que je veux dire, mais je me disais, ah ben comme ça, au moins on sera plus emmerdé. Tu vois, je le sentais comme ça, tu vois.
Non, mais c'était obligé. C'était obligé. Scénaristiquement, tu pouvais pas traîner un boulet comme ça toute ta saison, enfin toute ta vie, quoi. Il fallait bien qu'il lui arrive un truc à un moment ou à un autre. Puis avec le caractère du garçon, c'était obligé que ça arrive au bout d'un moment. Pour ça, les enfants, il faut pas faire des conneries. Après, c'était, voilà, le petit discours qu'il a fait à la fin, c'était émouvant quand même. C'était émouvant, le pauvre garçon, tout ça, il parlait de sa maman, tout ça, qui était partie. C'était quand même émouvant. Oh là, l'OM est devant Paris. Ça se voit quand on est dans FIFA. Allez, résiliation de l'eau du Pérou, mais c'est pas grave. TT, Kenny TT à 75, ah ouais, d'accord. 68, ah, ça par contre, c'est jouable. Mais c'est pas très costaud. Non. Alors, il y en a un qui a mis une pub. Russie, comme tu veux. France, oui, France. Salut à ceux qui arrivent. C'était qui lui? Ah, oui, c'est lui. Ah, les matchs contre Lyon. Non, Jusqu'. répète. Rien, c'est rien. C'est rien. Ouh, un match contre l'OM qui arrive là. Non, pas à ce point-là, mais non, la voiture, on s'en foutait. Mais non, mais je sentais qu'il allait y avoir un truc comme ça, que le personnage allait disparaître. C'était quasiment écrit. C'était, en tout cas, c'était prévisible. Scénaristiquement, c'était prévisible. Alors on va changer à mieux parce que l'autre il va pas tarder à se plaindre. Putain, ils sont toujours à flèche vers le bas lui. Ça va, t'as fait match nul, t'as gagné 3 fois, 2 fois, et t'as encore une flèche vers le bas. T'as vraiment pas un gars content. Ouais. Il faut que je fasse un peu plus jouer, mais en même temps j'ai pas besoin de mon équipe B pour le moment. Pas assez de matchs encore. Par contre, le gardien, il a plus sa flèche sur le bas, ça c'est bien. Mamba, qu'est-ce que j'ai dans mon placement? Ouais, il faut que je mette Pi. On va y aller comme ça. Voilà. Voilà comment je fais les mini-jeux. Allez. On n'entend plus du tout les commentateurs. On entend plutôt le public que les commentateurs. C'est pas grave, non? C'est pas plus mal, hein. Où je sens qu'ils vont. Allez, j'allais dire, je sens qu'ils vont bien jouer direct. Tolisso, il fait un mauvais contrôle. Merde, ça c'est con. C'est pas du tout crédible. D'ailleurs, ils sont où? Ils sont classés combien? Hop là! C'est joli ça. Bien joué, Pi. Ouah, bien joué ça. C'était bien joué. Ah non, non, c'était pas pour lui. C'était pas pour lui. Ça, j'aurais pris une faute là-dessus. J'aurais pas été trop étonné. J'aurais dit, bon, c'est vrai que je suis allé un petit peu fort avec la jambe du monsieur. Mais. Allez, l'accélération face à Jallet. Jallet, on connaît, il a une grosse vitesse de pointe. Tout le monde le sait. La frappe, oh, c'était pas mal. Elle était pas mal cette frappe de Salvinho, Sliti la tête et c'est raté. J'allais contre Pi.
Allez les gars, il faut un peu plus... Ouais, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Faut leur rentrer dedans. Faut pas leur rentrer le ballon dedans. Ça va, ça passe pas, ça marche pas. Allez, Fekir. Wow. Quelle intervention. Ah ouais. Oh, ça fait un moment que Tolisso... Il était du Red Star alors, Tolisso? Je ne savais pas. On apprend tous les jours. Allez, Salvinho. Salvinho, le centre. Oh, mais putain, mais c'était pour Bamba, c'était pas pour le gardien, bordel. La frappe et le but. Ça fait zéro. Bien joué. Bien joué, garçon. T'as un numéro combien, on dit 7? Oui. J'ai eu peur qu'il y ait le numéro 1. Je me suis dit, c'est le gardien. Il a mis un maillot. L'enfoiré. Le joli combinaison de passe. Oh là là, Jallet qui est monté sur Lopez. Regardez un petit peu sur la rentrée, on le voit pas là. Regardez Jallet. Non, on le voit pas. Ça, c'est con. On va le regarder parce que c'était beau. C'était beau. Regardez un peu le... Oh là, en plus la jambe, il faut pas, quoi. C'est quoi déjà? Ah oui, voilà. Voilà. La jambe, il faut pas, quoi. Heureusement, Lopez, il a les réflexes, regardez-moi ça. Hop, il ferme ses jambes avant de se faire un... Avant de se prendre un bon petit coup dans les trucs. C'est le réflexe du gardien. Voilà. Avant de prendre un coup dans les roubignoles, il a fermé les jambes. Oula. Oh, tain, dommage qu'il n'y avait pas un peu plus de soutien de mes joueurs, parce que là... Oh, ça c'est bien joué, ça. Ça c'est bien joué, non! Non, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as pas tiré plus que ça? Graciani, tu te fiches, moi. C'est quoi ce tir, en fait? T'es trop fair play, mon garçon. T'es trop fair play. Fallait punir. Fallait punir, mon petit. Allez, bien joué. La frappe. Oh, le poteau. La deuxième frappe. Dommage. On aurait dû. On aurait dû un peu plus combiner. Oula, 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 oula. Oula, tap! Bien joué. Non! Une passe en retrait, garçon, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est, une passe en retrait? Non, t'as pas compris. T'as pas compris le concept encore. Dommage, c'est dommage. Ça aurait pu lui donner quelque chose de bien. Ça avait compris le concept de la passe en retrait. Mais visiblement, il ne l'a pas compris. Pas assez travaillé à l'entraînement. Bien joué. Wow. Quand le concept de la mauvaise passe, ça, ils ont compris, ça. Wow. Dommage qu'il envoie une patate comme ça. Ah non, non, non. Un match avec le clavier et pas la manette, non. C'est injouable. C'est un job, je me demande comment on peut jouer avec un clavier. J'ai essayé en plus, hein. J'ai déjà essayé. Pas sur ce FIFA là, parce que j'ai compris que ça servait à rien. J'ai essayé je crois sur le FIFA 14, je crois que j'avais essayé. C'est une horreur. C'est une horreur. Accélérer plus faire des passes, ça relève du domaine du poulpe. Faut être un poulpe. Ouais, un peu plus de patates dans la passe, ça aurait pas été de refus, tu vois. Ça m'aurait pas gêné. Allez. Ça a été donné. Elle était donnée, celle-là, elle était donnée. Je crois que c'est Gracia Bini, enfin l'Argentin, là. Putain, il est super bien fait, Lopez. C'était une... Voilà, l'espace était là, il était tout seul. Il n'a plus qu'à ajuster le gardien.
Voilà, Graciani, il s'appelle comme ça, Graciani. L'Argentin qui nous permet de mener 2-0 dans ce match. Ça se passe plutôt bien. Ma foi. Je crois que l'adversaire le plus dur a été Montpellier. Je sais pas combien ils sont aussi, Lyon. Parce que je ne semble pas les avoir vus dans le classement. Ouah, ça joue juste. Ah, dommage. Dommage. Ça avait mal choisi le joueur que je voulais. Je voulais Bourthiam, mais ça avait choisi de l'envoyer sur l'aile, mais c'était pas gênant. Ça contrariait pas trop mes plans. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait un accrochage entre deux joueurs là. Oh non, mais te mets pas derrière après quoi. Tiam, t'es un fou toi. Ouais, oh, ça fait but ça. Ouah, wow, bien joué. Bien joué, mon petit. Bien joué, c'était une super belle interception défensive. Intervention défensive. Enfin voilà, bonne défense. Non, je l'ai pas demandé. Ah. Ah, c'est pas vrai. Ah, dommage. Allez, Beauvue. Oh, Beauvue, il est rapide. Beauvue, il est rapide. Oh, hors-jeu. C'est pas hors-jeu. C'est pas hors-jeu. La réduction de l'écart de Fekir. Ouais, c'est pas hors-jeu. Bah, pourtant, il était un peu tout seul, non? Ah non, il est devant. Autant pour moi, il est devant. Il est devant. Mais c'était limite, hein. Parce que là, j'avais plus de défenseur, là. Pourtant, tu vois, je suis pas en offensif et tous mes joueurs sont tous partis devant. Il n'y en a pas un seul qui est redescendu. Ça, c'est un truc un peu agaçant. Si tu te mets pas en défensif, tes joueurs, ils restent devant. On n'a rien à foutre. Voilà, c'était pas du tout comme ça que j'avoue. Ah ouais, Bamba, là, t'as fait preuve de totalement de... Ah, regardez, encore une fois. Encore une fois, les mecs, ils sont tous partis devant. Eh, mais... D'où tu piques le ballon, toi? D'où tu sors pour me pocher le ballon comme ça? Allez, accélère, garçon, accélère, démarre la mobilette. Allez, Salvino face à Jallet. On va me dire qu'il est plus rapide que toi. La frappe, oh, ça passe à côté, c'est dommage. C'était bien joué. Limite, hein, le défenseur. Limite, là. Hein. Faire des changements, merde. Thiam qui va sortir. Entrée de Boykan. Entrée de Diego. Et entrée de... Sampao, allez. J'espère qu'il va pas prendre un carton. Oh, c'était bien joué ça. Ah mais continue! Continue, Salvio, continue! T'étais bien parti? Oh, allez! Et pourquoi tout le monde est monté? Palin. Palin et Palin, tu redescends pas, toi, tu t'en fous. Voilà, Palin, il s'en fout, il redescend pas. Regardez un peu, c'est... J'en ai aucun qui est venu redescendre, quoi. Oh, mais oui, non, mais... Tu pouvais pas se concentrer un peu Bamba, quoi. Eh, on dirait que je suis en offensif là. Ils se sont tous barrés. Ils sont en train de tous se barrer devant. Là, ils sont en mode foufou là. Lyon, ils sont en mode foufou. Ça fait que là, on peut même pas leur prendre le ballon. Faut même pas espérer garder le ballon trop longtemps quand ils s'approchent. C'est ça que j'essaie de vite te transmettre.
Un peu plus de patates, mon petit. Un peu plus de patates. Un peu plus de patates, ça aurait été bon. Allez, c'est la victoire. Victoire 2-1 face à Lyon. C'est pas immérité. Hein. C'est pas immérité. C'est, oui, c'est, quand tu vois les stats, c'est quand même pas volé. Hein. Bon, c'est encore une victoire. Ça fait plaisir. L'OM a fait match nul. Et là, on va jouer en... on va jouer en coupe. Coupe de la Ligue. Allez. On simule les entraînements. Thiam qui va bientôt arriver à 71. Ça, c'est bien. Voilà. Et c'est en Coupe de la Ligue. Moi, j'aimerais savoir en Ligue 1. En Ligue 1, on est toujours 3e. Derrière Paris et Marseille. Mais bon, tiens, Marseille n'a pas perdu. J'ai vu 0 défaite pour Marseille encore. C'est parce qu'on ne les a pas joués. Ah, le fait est très attendu pour ses débuts. Ah, parce qu'il n'a pas joué encore. Et il va jouer, là. Allez, on va jouer contre Ajaccio. Avec l'équipe B. Avec l'équipe B. Sauf qu'on va le mettre à mieux. Jacob Diego, Makechouf, Sampao, Kaloulou. Ouais. On va juste mettre le capitaine, ça va être Bastos plutôt. Remplaçant, la Salvigno. Ouais, ouais, on a quand même du monde en remplacement. Chavalerin, on va faire jouer Chavalerin. Allez. Scrib. J'espère qu'il ne va pas nous écrire un roman. On passe les mini-jeux. Parce que les mini-jeux, on s'en fout. Coupe de la Ligue contre Ajaccio. Tiens, tant que je vous ai, tiens. Tant que vous êtes là. Oh putain, ça t'appelle. Ça t'appelle. Ça, dommage qu'à Loulou, parce que ton appel était plutôt sympathique. Ouais, tant que je vous tiens. Bien joué. Bon, c'était Bastos. Bastos. Il nous voulait nous mettre une belle Bastos. Par contre, qu'il n'y ait qu'un seul défenseur central qui reste en couverture, ça me convient pas, ça, les enfants. Hein. Pas déconner. Non, non, c'est... c'était n'importe quoi. Oui. Je vais sûrement faire une carrière en mode général manager sur... Merde. Sur NBA. Je ne sais pas encore avec quelle équipe. Je ne sais pas encore, enfin... on va dire que c'est en préparation. C'est l'idée est là. L'idée est là parce que j'ai bien envie de faire une carrière avec une équipe entière. Parce que bon, si vous me suivez, vous le savez que jouer qu'un seul joueur, ça me frustre pas mal. Bah, c'était bien joué. C'était bien joué. Il va pas falloir les regretter ces occasions. Ah, monsieur l'arbitre. Je suis peut-être sur une carrière sur NBA 2K16, donc en mode général manager, donc quand on joue son équipe, hein, pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est. Ouah, monsieur arbitre, Kaloulou, il a été violenté. Waouh, il a pas le droit de tenir un ballon comme ça. Oui, donc, et je ne sais pas encore avec quelle équipe. J'hésite à faire un truc... Bah, un truc que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire jouer avec une équipe la plus mauvaise des équipes. Je crois qu'il est hors jeu. Voilà. Ça, c'était pas pour lui en plus. Donc, commencer avec la plus mauvaise équipe du jeu qui est les. Je sais pas trop comment on le dit d'ailleurs. 76ers. Je sais pas comment on le dit. Qui est donc l'équipe. L'équipe, théoriquement, hein, moi, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le jeu qui le dit.
la plus faible du NBA 2K16. Mais j'ai trouvé d'ailleurs dans l'équipe qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui sont très intéressants. Donc ça me plairait plutôt pas trop mal de faire une carrière avec cette équipe là. Et essayer d'aller. Ouais, mais je voudrais pas une équipe trop forte en fait. Alors il y avait les Denver. Comment ils s'appellent les jeunes? Je crois que c'est le Denver, je sais pas quoi. Enfin, je m'y connais pas du tout en basket, hein, ça il faut le savoir. C'est vraiment un truc que je ne maîtrise absolument pas. Non, non! Marion, putain, t'aurais pu te mettre dans un endroit un peu plus. Ouais, il est tombé tout seul, monsieur l'arbitre, il est tombé tout seul. C'est pas ma faute. Wow! 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 Jacob, en tout cas, il fait un bon travail, j'aime bien. Ah ouais, mais il y a personne au milieu. Oh là là. Jacob, t'as abusé là. Donc, ce que je disais. La frappe! Non, oh, c'est quoi ça? Ouais. Moi, j'aurais pas une équipe trop forte en fait. Mais j'aime bien l'équipe des 76ers, ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Ça sent le match moisi. On va prendre un vieux but en contre, alors qu'on mérite totalement de gagner. Non, c'était pas pour là la passe. C'était pas pour là non plus, mais c'est pas grave. On fait avec. Hein. Wow! On doit être à 15 tirs déjà. Oh non! Oh non! C'est pas vrai! Non, j'y crois pas, sur la ligne, sauvé sur la ligne par le défenseur, quoi. Putain! C'est quoi cette première période de merde, quoi. Je voudrais voir les détails du match, s'il vous plaît. Voilà. 9 tirs, 8 cadrés. Combien il en est d'arrêt déjà, le gardien? Ouais, comme du match pour le moment. 6 arrêts déjà. Mais il va faire le match de sa vie, le mec. Alors, vous seriez plutôt pour les Cleveland Cavaliers? Faut que je regarde s'ils sont pas trop forts. Je ne sais même pas, moi, je l'ai pas en tête. Hein. En tout cas, les 76ers, c'est l'équipe qui a le général le moins élevé de toutes les équipes de NBA. Dans le jeu, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, si vous êtes supporter de cette équipe là. Ça sent, pareil qu'on va prendre un vieux but, bien pourri en plus, ça sent le vieux but bien pourri, qu'on va encaisser, alors qu'on est en train de les écraser. Ah putain. 6 arrêts pour le gardien. Ça va être l'homme du match, le gardien. C'est obligé. Le gardien, bien sûr, d'Ajaccio ou pas le mien. Mais il va prendre un vieux but de merde. C'est sûr. Ça fait partie des choses qui sont écrites. Tu vois, on appelle ça le destin. Allez, Kaloulou! Allez, Kaloulou! Ah, Kaloulou! J'ai voulu avoir le défenseur, mais Kaloulou, il a même pas suivi son dribble. Non! Comment il peut me prendre le ballon des pieds? Il est fou, lui! Comment il peut me le prendre? Il a même pas le droit. Il a même pas le droit. Ça sent le match, tu sais, où tu vas faire prolongation, vieille prolongation. Si tu ne prends pas un but, si je prends pas un but avant. En tout cas, ce match, je le sens pas bien.
On le domine trop pour le gagner en fait. Allez Kaloulou, putain, fais la différence. T'es censé être le joueur le plus rapide de mon effectif, quoi. Loin devant, en plus. Bah, ça passe. Il y en a au moins un qui est rentré. Il y en a au moins un qui est rentré. Sampao qui marque. Numéro 4, d'après mes souvenirs, c'est Sampao. Bien, belle passe de Kaloulou. Allez, on mène. Maintenant, il ne faut pas se faire égaliser, parce que ça aussi... Belle action de Kaloulou sur le côté. Ah non, putain Marion, tu déconnes. Allez, allez, direct, ils se sont mis en mode offensif. Non, c'est quoi ce contrôle, Marion, tu te fiches de moi? En plus, t'es hors-jeu. En plus, t'es hors-jeu. Oh putain, il aurait fait un bon contrôle, on aurait pu lancer le collègue s'il n'était pas hors jeu, bien entendu. Enfin, si. Si Marion n'était pas hors jeu, je reformule. Dans le bon sens. Ah putain, mais ouais, mais c'est normal, il se fait violenter. Ah mais non, mais je voulais pas faire ça. Il se fait violenter aussi. Allez, la vieille technique. Ouais, ça passe même pas. Wow! Il est hors jeu! Comment il peut être hors jeu? Est-ce qu'on fait des changements? Ah oui, on va faire des changements. Amieux qui est fatigué, merde. Amieux, j'ai l'impression qu'il tient plus les matchs. Pauvre garçon. Soit il faut que je l'entraîne à... Donc Jacob, il me fait un bon match, alors je vais pas le sortir. Boykan qui va rentrer à la poste de Chavalerin, qu'on voit pas beaucoup. Pinares qui va rentrer. Et on va rester comme ça. On va rester comme ça pour les 8 dernières minutes, les grosses dizaines de dernières minutes qui restent. Allez, le chat qui vient m'emmerder. Ah non, la passe! La passe! Pourquoi t'as pas fait la passe? C'était le plus simple, la passe! La phase de passe, c'était la plus simple! C'était la plus simple, t'avais juste à... Même pas à faire une passe, quoi! Juste à glisser, faire glisser un peu le ballon sur le côté! C'était parfait! Et t'avais tout gagné, mon garçon! Waouh! Nous, on va se mettre en défensif, parce que... Ils se sont mis en ultra-off... Donc ça sent là. Maintenant ils vont jouer comme le Barça. Oh, ça sent le but. Bien joué gardien. Le gardien est monté. C'est un fou. Et il va marquer un but, c'est obligé. Oh! Gardien. Non, mais laisse-moi jouer, monsieur l'arbitre, t'as pas le droit. T'as pas le droit, la cage était vide. T'as pas le droit. T'aurais dû me laisser jouer là. Ça aurait pas été le premier qu'on marquait comme ça. Allez, victoire 1-0 en Coupe de la Ligue. On n'est pas passé loin à la fin de l'égalisation hein, dans les dernières minutes. Là. Égalisation du script. Dotation compétition. Tombe bien, on en a besoin. D'ailleurs, c'est bizarre, le CA m'a pas parlé depuis que j'ai demandé une augmentation de budget. J'ai plus entendu parler du CA. Allez, on continue. En Ligue 1 contre Bordeaux. Allez, Bordeaux, c'est toujours la merde à jouer, Bordeaux. C'est toujours la merde à jouer. Putain, il y a toujours une flèche dans le mal. Bon, le moral est plutôt bon dans l'équipe. Il progresse toujours pas, lui. Faudrait qu'il progresse, garçon, là. C'est ton boulot. Je sais pas qu'il y en a d'autres sur le banc. Si Arnett il joue jamais, lui. Il joue jamais, on va lui donner une chance. Et après, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Lui il joue jamais non plus, il faut que je le fasse jouer. Et ouais, sinon il va m'en vouloir quoi. Il va falloir que j'en vende un. Mais lequel?
Ça c'est con, les deux sont aussi vieux l'un que l'autre. Il faut que je m'achète un défenseur gauche. Au moins, je mets. J'essaye. Comment il s'appelle, Maena? J'essaye Maena. Oh, quel violent! Mais quel violent! Quel violent! Attends, je reviens là. Attends, c'est quoi? Hop! Regardez-moi ce violent! Oh, quelle violence! Bim! La violence! La violence de cet homme! Ah merde, le con! Allez! Les meilleures défenses, 4 buts encaissés. Allez. Je sens comment en prendre dans celui-là. Bordeaux, c'est toujours une horreur. Dans FIFA, c'est toujours une horreur. Ça dépend donc qui devant. Oh, ça sent déjà l'ouverture du score. Ouais, bien joué. Ah. Wow, Sliti, non, monsieur l'arbitre, il a pas le droit de m'enlever le ballon à Sliti comme ça. Putain, c'était bien joué. C'était bien joué. Sliti, il aurait pu prendre le dessus sur le défenseur, là. Wow. Wow! C'est quoi ce physique là? Oui, Thiam, il est blessé là! Foiré! On va mettre Pi dans l'axe. Quoique non. Aujourd'hui, ils ont envie de me blesser mes joueurs au début de match. Plutôt rester comme ça. Parce que Poekan est assez physique. Tu as loupé quoi? On a fait quelques matchs, je ne sais pas combien exactement. Tu me rends le ballon tout de suite! Ouais, non, mais oh! C'est quoi ça? C'est quoi ça, monsieur l'arbitre? Et si je prends un but là-dessus, monsieur l'arbitre, t'es un vrai enfoiré, quoi. Donne le ballon à un joueur qui sait pas faire un contrôle. C'est un peu compliqué pour lui. Depuis quand ça me change des joueurs tout seul? Je déteste ça. M6 a glissé un petit billet à l'arbitre. Allez, planté, tranquille. M6 a glissé un petit billet. C'est pas possible. Eh, mais c'était chaud, là, aussi, là. Ils vont se calmer un petit peu, là, avec leur physique de bœuf, là. Ouais, mais c'est quoi cette passe? Oh, mais c'est quoi cette passe? C'est pas une passe, ça, garçon. C'est pas une passe. Bah oui, mais c'est quoi ce contrôle? C'est pas un contrôle, ça, non plus. Non, mais ça c'est un corner, ça. Allez, on va jouer au fond, là-bas. Ouais, Non, j'ai dit au fond, là-bas. Ah, c'est Prior qui joue. Putain, carrément. Carasso a pris sa retraite. Ils ont vendu Diabaté. On fait des sous. Allez, gardien, hein, tranquille. Allez, je vais sur le côté. JCP, on a du mal à... Ils me font peur, ces Bordelais, là. Ils sont trop physiques, en fait. Non, c'est pas pour là. C'est pas pour là. Mais ouais, mais c'est pas pour là. C'est pas pour là. Hop là. Hop là. Enfoiré. Enfoiré. Allez, faites-lui perdre le moyen. Bon, tu peux pas... Ouais, ça va. J'allais dire, tu peux pas faire une relance propre quand t'es pressé comme ça, quoi. Je suis désolé. C'est logique. C'est pas la première fois qu'on met un truc illogique dans FIFA, mais... Ouh. Déjà, quand tu vois une équipe gagner avec des champions, c'est...
L'équipe française? Bon, oh, monsieur quoi cette fois. Non, pas de. Ben, je travaille demain matin, moi, mon petit. Je travaille demain matin. Le live PES, alors il sera pas demain. Il sera pas demain, il sera peut-être dimanche, mais c'est même pas sûr. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Il est à définir. Il est à définir. Un petit peu plus de patates. Non, mais pas autant. Un petit peu plus de patates dans les passes, ça m'aurait plu. Mais pas autant que ça. Putain. Diabaté. Oh non. Oh non, pas lui. On va mettre un but Diabaté, c'est obligé. Ils avaient pas vendu. Putain, déjà avec le mec, il m'a approché. Il y a le ballon qui a commencé à lui coller au pied avant même qu'il ait touché le ballon. Allez, Bamba. Oh, ça s'est bien joué. La frappe. La frappe. Le but. Non, non, pas de live ce soir. 22h. Non, non, je travaille demain. JCP. Qui met le but. Le mec, il met une petite, un petit ballon piqué comme ça, manière de mettre le but, quoi. Le vieux salaud, quoi. Sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton. Je viens de travailler avec vous ici. Non, je travaille, moi, les enfants. Demain après-midi, je peux pas parce que après, je vais. Je suis en déplacement. En déplacement. Je suis pas chez moi. Demain après-midi. Dimanche après-midi, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Après, peut-être lundi après-midi. Ouh, là, il y a un bel appel. Oh, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. Je veux pas savoir. Oh, mais vas-y, le mec. Il... Putain, c'est Bamba, quoi. C'est... Il a pas de vitesse, Bamba. Ouais, là, pas trop, mais... Pas déconner, quand même. Le mec, il s'est pris une mine à la vitesse, un truc de coup. Un truc de fou. J'ai fait quoi dans la vie, à part des vidéos? Je suis bouché. Pas bouché, pas sourd, hein. Non, je travaille en boucherie. Dans une grande surface. Forcément, la grande surface, c'est ouvert du lundi au dimanche. Donc, je travaille du lundi au dimanche, même si je travaille pas ce dimanche. Parce que forcément ça tourne, sinon ce serait de l'abus. Pas, de toute façon c'est interdit de travailler 7 jours sur 7, ça sent le but ça. Wow. Et lundi j'ai cours. Ouais, ouais. Moi je fais comme je peux, hein. Moi j'essaie de faire avancer les carrières, tout ça, tout ça. Sinon je jouerai en off, hein. Pas de problème, hein. Mais bon, ces carrières là sont prévues à moitié en live et à moitié en vidéo, donc c'est pour ça. Wouah, le petit ballon. Wouah, non. Putain, c'est pas de bol, quoi. Il est tout seul. Boucherie halal, non, pas dans une boucherie halal. Dans une grande surface, donc... Aïe 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 aïe. Et il est totalement seul, Bamba. Ça fait 2-0. On est où dans le match, en fait? On a passé la mi-temps? Oui, on a passé la mi-temps. Je sais plus. Oui, c'est bon. Déjà? Ah oui, c'est vrai qu'on a fait des mi-temps un peu moyennes. Ouh, ça sent le but, ça. Ça se fait loin. Non. Vous voulez tous acheter un morceau de jambon? C'est pas pour ça que je finirai plus tôt. Le contrat, c'est pas... quand t'as vendu tout ce qu'il y a dans le frigo, t'as fini. Déjà, il faudrait pouvoir vendre tout ce qu'il y a dans le frigo. Oh, cette belle appel sublime! Bravo, Jesse, bravo, t'as compris, toi? Wow! Penalty! Ah non. Bon, ben... Parce que monsieur l'arbitre, il a pas envie... Il n'a pas envie de mettre des pénalties, monsieur l'arbitre.
Allez, petit changement. Il y en aura de jeu. Sleety, Pinares qui va rentrer. On va faire rentrer Marion un peu. On va faire parler la vitesse. On contre Makijou qui va rentrer. Ah merde, on peut plus. Ouais, c'est pas grave. Ouais, comment il peut faire la tête? Je suis devant son joueur. Même s'il est grand, son joueur. Pablo, c'est pas leur défenseur central? Pourquoi il se retrouve? Ce sont lui vraiment l'attaque de folie, quoi. Ah non, c'est con, c'est pas pour lui. Ah, ça c'est con, ça. Et hors-jeu. Ça c'est con. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu? Non. Non. Mais non, faut pas déconner non plus. C'est dommage, putain, Bamba, t'as déconné quoi. T'aurais pu avoir un boulevard tranquillement. T'as abusé, Bamba. Waouh! Cette intervention défensive. La frappe! Oh, le poteau! Le poteau! Le poteau, ça fait être la punition pour Bordeaux, là. Ça fait être la punition pour Bordeaux. Tranquille pour planter. Oh, c'est quoi cette passe? Garçon. Révise tes passes. Putain, ça fait des ouvertures de fou. Non, c'est quoi cette passe? Ça fait 3-0. Merci. Merci pour les 6000 abonnés. Ça fait plaisir. Gracia. Je me souviens jamais son nom. Un peu. Voilà, il y avait un petit boulevard. Il était tranquille. Graciani. Je sais pas pourquoi je vais mettre un B dans son nom. Je sais pas pourquoi. Bon, et voilà. J'ai des millions récupérés en vue pour PES. Non. Non, j'ai installé des nouveaux patchs sur PES. Une mise à jour du patch que j'avais. J'attends toujours qu'il y ait le patch que j'utilisais l'année dernière. Qui vienne sur ce PES là. Ouais, ça va. Vous n'allez pas vous plaindre, hein, tout le monde joue chez moi. C'est qui? C'est... Ouais. Ouais, je pense que je devrais faire jouer un peu plus souvent le garçon. C'est dommage qu'on puisse pas faire travailler les attributs de vitesse, ces trucs comme ça. C'est dommage, hein. On puisse pas les travailler. Combien tu as en endurance, mon petit? 68, c'est bien. Continue comme ça. Merci, Dorian. Mais j'espère en avoir plus. J'espère que ça continuera. Jacob, qui progresse. Allez, on va passer au mois de novembre. On va jouer contre Lens. Résiliation dans l'offre, blablabla. Qui c'est qui est entraînement? Oui, c'est pas grave. Oh! Manager du mois, disons, ça arrive pas souvent, ça. Mon salaire. Ah bon? Ah, tu m'as parlé de ton salaire. Alors. Arnett, il veut jouer. Pourrait-on parler de mon salaire, mon temps de jeu? Parce que ça m'avait déjà dit. Alors, ton salaire. Alors, mon petit, que je t'explique. Le club est dans une situation financière assez compliquée, dû aux récents investissements dans l'équipe. Donc, je suis désolé. Oh, on va prolonger maintenant. Oh, non, non, pas maintenant. qui c'est qui veut planter?
te reste 8 mois de salaire. Ça va, t'es gentil. Demande pas trop. Et titulaire important, je te laisse titulaire important. Ok, merci Gabin. À quand un live 6000 abonnés, je ne sais pas. Fournier qui est encore là, je sais pas si je vais le prolonger Fournier. Ah mieux, il gagne 3000. Ah l'enfoiré. Chavalerin et Boycan, Boycan je vais le garder. En plus il me demande pas beaucoup. Titulaire important, on va lui mettre titulaire important. Comme ça il m'embête pas. Chavalerin il demande un peu plus quand même. Enfoiré. Titulaire important, allez. J'espère que j'aurai les moyens. Et planter, ouais, négociation. Et au 2, on verra. Et au mieux aussi. Si on peut les vendre. Slitty, il a refusé ce contrat. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. Faudra que je le vende, Slitty. Il faudra que je le vende. Défenseur droit ? Pourquoi je cherche un défenseur droit ? Ah oui. Ah bah non, moi j'en fous. Je veux des défenseurs tous. Des arrières. Défenseur central. Ouais, ça va très bien. Bradfield, mais c'est un tout petit peu cher quand même, faut pas déconner. C'est sûr qu'il est digne de l'équipe, lui. J'ai des doutes. Salut. Salut, Nico. Hop. Ça fait un modo de plus. Hop. Donc, Thiam. Thiam, il est blessé combien de temps? On m'a pas dit. 3 mois. D'accord. C'est vrai qu'il n'était pas dans la liste, alors c'est Boycan qui va jouer. Et c'est Jacob qui va être sur le banc. Donc ils m'ont demandé des salaires, donc... quand tu me mettras-tu modo? Il faut être sage. Voilà, on a 26 points, on est pas mal, hein. 26, il n'y a que 27 et 28 devant, donc en cas de victoire ici, en cas de faux pas des adversaires, on pourrait se retrouver dans la première place ou la deuxième. Alors, on va faire jouer le petit garçon qui nous a demandé de jouer. Lui. Parce que nous, on est sympa. On va le faire jouer à la place de lui. Et Chavalerin, il m'a laissé un petit peu plein, donc on va le faire jouer. Casse les couilles, donc on va le faire jouer. Salvio. Marion a une meilleure note que Salvio. Mais il a moins de bonne finition. Et Salvio est plus physique. Et c'est utile quand même d'avoir un mec physique devant. Donc on va laisser comme ça. Et lui, il faut que je le fasse jouer un peu plus. On va le tester en défenseur gauche. Parce que des autres fois déjà, il gueulait. Donc salut ceux qui arrivent. Là, c'est bizarre, dans les mini-jeux, les centres ils sont super simples à faire. Mais quand t'es en jeu, les centres ils vont n'importe où. N'importe où. C'est n'importe quoi. Allez, lance, on est monté avec eux. Saison passée. C'est nos collègues de montée. Et on joue chez nous. Encore une fois, on joue beaucoup chez nous, là, dans ce début de saison. Wouah! Allez. Touche pour nous. Je sais pas s'ils jouent bien. Je crois qu'ils sont mal classés en plus, le Red Star en vrai. Je sais pas s'ils jouent bien. Honnêtement, j'ai pas trop regardé la Ligue 2 ces temps-ci là. Ah non, c'était con, c'était pour lui. Ah, c'est con là. Tu vois, là, il me manque un joueur là. Ouh! Il manque un joueur qui revenait dans l'axe. La Chavalerin, il aurait fallu qu'il,
qu'il aille plus vers la surface. Des trucs comme ça, ça marcherait. Alors, est-ce qu'ils ont acheté des joueurs, là? C'est qui ce garçon-là, là? Je connais pas. Oh, il perd ce ballon, mais sauf qu'il fait la passe, pas là, il fait la passe au mauvais. Ça fait longtemps que j'ai commencé, ça fait ouais, ça fait à 16h j'ai commencé, donc bon, bien joué. Là, ça c'était bien joué, Palin. Déjà, ça me... Je trouve ça déjà beaucoup mieux. Salvino, t'abuses. T'as pas le droit. T'as pas le droit de te faire avoir, c'est un truc comme ça. Bam. Bamba le poteau. Non, c'est pas pour lui. C'est pas grave. C'était pas grave. Je t'en veux pas, garçon. Perds pas le ballon. C'est le principal. Ah non, c'est pas pour lui. Le ballon était sur le bon joueur. C'est juste qu'il était trop fort. Allez. Non, c'est quoi cette passe? Vous allez arrêter de faire des passes aux défenseurs adverses. Vous êtes agaçant à force. Wow! Ouais, mais Max, il m'a dit qu'il serait pas là, en fait. S'il rentrait chez lui là, et du coup il serait que là vers 20h, et à 20h ce sera trop tard, le live sera déjà fini. Bon, bien joué Bamba, en tout cas, bien joué Bamba. Et Palin qui a la passe. Bamba, la reprise directe, premier poteau. Mouamini vient plus parce qu'il aime pas le foot, en fait, c'est pour ça. Enfin, il aime pas le foot. Il aime pas trop le foot, donc. Allez, toujours à la poursuite de notre titre de Ligue 1. Wow. Bah, c'est sûr, avec autant de joueurs à côté de lui. Comment tu voulais qu'il perde pas ses moyens, le garçon? Noir. Oh, les gars, vous abusez. Olsen. Allez, ça attaque pas trop mal du côté de Lens, là. Ça va lancer peut-être une attaque. Allez, le centre improbable qui arrive à arriver. Parce que bon, j'ai mon joueur qui est devant, donc théoriquement, il peut pas centrer. Mais c'est pas grave, il centre quand même. Oh, l'agression de mon joueur, là, c'est totalement abusé, ça, monsieur l'arbitre. Ça devrait même pas exister. Même pas. Même pas, ça devrait exister. Ah, mais t'as pas suivi, Mena, ça c'est con, ça. Il s'appelle Manea, oui. Manea, pardon, excuse-moi. Excusez-moi, j'écorche ton nom, je joue pas assez souvent, c'est pour ça. Ton entraîneur, il te fait pas jouer assez souvent. Ça va être ça. Allez, bien joué, Slitty. Slitty, il se bat. Ah, le pied du Lensois. Le pied, il a la frite. Je suis classé combien en Ligue 1? Je suis 3ème. Est-ce qu'on a vu ça? À 2 points du leader. Enfin, à 2 points des deux devant moi. Ah, c'est Arnett en plus qui a marqué? Ah, l'enfoiré, quoi. C'est Arnett, c'est pas Bamba? Ah, j'ai cru que c'était Bamba qui avait marqué. Autant pour moi. Autant pour moi, mon petit Bamba, en fait, t'es mauvais. Même un mec qui est pas buteur, il a marqué des buts, quoi. Par contre, le chat, ça va 5 minutes, là. C'est bien que j'aime pas quand t'appuies sur mon clavier. Je sais que tu veux aller sur Facebook, mais... Bamba... Non, c'est quoi cette passe? T'as cherché à faire la passe à qui, Bamba?
m'expliquera. À la mi-temps, tu m'expliqueras. Enfin, non, pas à la mi-temps. À la fin du match, tu m'expliqueras qui t'a voulu faire la passe. Wow, la faute, monsieur l'arbitre, carton. T'aimes trop quand j'écorche chez nous? Oui. J'ai ma main. Alors, qui c'est qui tire fort? Ouh, Salvino, il est pas mal. 83, Bambar. C'est ça, hein, je me plante pas. Là, il sort une biscotte invisible. Oui, parce que ça fait toujours plaisir. Ouais, ça ira. Ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Ça aurait pu. Ça aurait pu, un peu trop fort. Un peu trop fort. Ça marche, hein, on a déjà marqué comme ça. Un coup franc en force qui fait mal. Ah oui, il est là. Oh, la jolie passe. Oh, 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 l'enfoiré de gardien. Enfoiré de gardien. Putain, Sliti, il est totalement on fire sur ce match. Même les joueurs, je les trouve plutôt mieux que d'habitude. Enfin, mieux que d'habitude. Plus en train. Bien joué. Wouah, ça c'est bien joué pour Sliti. Wouah, oh là là, ça c'est... Il va y avoir des changements? Non. Attends, tu vois bien que mes deux défenseurs centraux, ils se font chier, quoi. Ils sont même pas fatigués. Allez, Jacob, il va jouer. Non, il fait un bon match, le garçon. Allez, ça lui fera plaisir. Il joue pas souvent, donc... C'est qui va rentrer? C'est qui va rentrer? C'est qui? C'est Diego. Allez. Allez, ils sont en train de se battre, là, monsieur l'arbitre, dans la surface, là. Il faut pas laisser faire comme ça, là. Vous avez pas le droit, monsieur l'arbitre. La frappe. La deuxième frappe et le but. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est Salvino qui marque. La combinaison, totalement voulue, bien entendu, forcément. Quel but! On ne se lasse pas. On ne se lasse pas d'un tel but. On ne se lasse pas d'un tel but. Bientôt, je vais jouer tout le temps avec mon équipe B, quoi. Ouah, cette ouverture. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Frappe. S'il monte, ben on verra, on fera un vote. Pour Strasbourg, si jamais ça t'intéresse. On fera un vote. Enfin, on verra. Je sais pas si je ferai un vote, parce que j'ai aussi... Enfin... Pourquoi pas un projet de série Ouais, Diego il se fait violenter, monsieur l'arbitre. Bamba il a pas compris. Jacob il a pas compris non plus. Wow, c'est bien joué ça. C'était bien joué. Moi, Savino, tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Qu'est-ce que tu viens de faire là, mon garçon? Et tu m'expliqueras. Tu m'expliqueras en fin de match ce que t'as voulu faire là. Pourquoi tu t'es barré comme ça? Ça se fait pas d'abandonner son poste comme ça, surtout quand on a le ballon. Allez. Allez Bamba! Allez Bamba! Allez Bamba! Hop là! Bamba la frappe! Oh. Est-ce qu'on est circuit? Ouais, mais ça, ils s'y seront jamais les équipes de DH et de National sur FIFA.
C'est bête à dire, hein, mais je pense qu'ils y sont jamais parce que c'est pas des équipes pro. Comment ça? Enfin, pas toutes. On a déjà fait notre changement? Non. Si? Bah si? Je sais plus, non. Il y a que FM ouais, qui le fait parce que dans FM, t'as aussi le secteur non professionnel, semi-professionnel. Strasbourg, c'est un club professionnel, il me semble. Hein. C'est un gros club quand même. Mais ils y sont pas parce que la nationale ne fait pas partie d'un championnat. C'est pas un championnat qui est dans la catégorie des championnats professionnels. Enfin, je pense. Hein, je pense que ça vient de là. Et du coup, c'est pas. Je pense pas que ce soit exactement les mêmes licences après. Parce que là, c'est. Je sais pas. Je sais pas trop. Hein. Mais bon, je pense qu'il y a une histoire comme ça. Oh, bon boss, c'était pas mal, tu m'as fait un beau slalom. Et je pense que, ouais, en D4 anglaise, c'est plus des clubs, ils ont, enfin, à ce que je sais, c'est plus des structures différentes en Angleterre, et jusqu'en D4, il me semble que c'est encore des clubs pro. Et c'est en dessous, c'est plus des clubs pro. Je crois, hein. Enfin, un truc comme ça. Mais c'est, là-bas, il y a beaucoup de clubs pro, hein. C'est possible, hein, quand tu vois l'impact du football en Angleterre, il est beaucoup plus élevé qu'ici. Hein. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de licenciés en Angleterre qu'ici. Hein. Allez, Marion qui progresse. Marion, s'il continue à prendre la place. Mais non, mais c'est bon. Il n'y a pas de problème, t'as été très très bon, mon petit. Donc je n'ai aucun souci à te faire jouer. Ouais, je pense que Manea, il va être titulaire maintenant. C'est les deux vieux qui vont cirer le banc. Ouais, il est plus rapide et tout. Ouais, on va garder lui, on va garder un mieux, je pense, et c'est l'autre qu'on vendra. FIFA c'est anglais, ouais, c'est. Le salaire de Pierrick Cross, quoi, qu'est-ce qu'il a le salaire de Pierrick Cross? Oui, t'allais pleurer aussi là, quoi. C'est bon, tu m'en parles, ça va, j'ai oublié. C'est bon. Tu sais bien quand ça parle d'argent, buteur reste deux ans et demi presque. Et tu me fais chier pour 2 ans et demi, quoi. T'as pas envie d'aller ailleurs dans 2 ans et demi. De toute façon, dans 2 ans et demi, tu seras ailleurs. Je te le dis. Tu seras déjà parti. Allez, sélectionneur de Nouvelle-Zélande. Non, ça pourrait être pas mal. Un futur grand, tiens, du FC Metz. Un défenseur droit. Il y en a un qui est plus dans le. Bamba, Jacob, Marion. Ouais. Pourquoi il y a quelqu'un qui est blessé? Il y a Pinares qui va bientôt passer à 73. Thiam qui est blessé. Benahim. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Benahim qui. Ah oui, parce qu'il est international. Il est international, cet enfoiré. C'est pour ça. Et ouais, voilà, c'est pour ça, c'est ça que je vous dis, c'est que l'impact du foot est. Enfin, c'est beaucoup plus. C'est un sport beaucoup plus important ici. Enfin, là-bas plutôt que ici. Bah voilà, c'est pas la peine de gueuler comme ça mon petit là. Le mec direct là. Ça y est, il est plus sur les transferts là. Voilà, bah tout va bien. Ah, quand même. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on va jouer contre les stacks.
contre les stacks. On va jouer en blanc, ils vont jouer en bleu, parce que c'est beau. Et c'est Benaïm qui va jouer à la place de Bastos. Est-ce qu'on est fou? Oui. Ouais, ouais. Planté capitaine, Pigre C1, Boycan, Slitty, Bamba, ça... Ouais, ça va très bien. Je n'ai pas de problème, Makedjouf. Il est pas mal, Arenat. Il s'appelle Arenat, je l'appelle Arnett. N'importe quoi. Alors, hop. Attendez, je remets mon portable de là. Makedjouf, est-ce que je laisse Makedjouf? Ouais, allez. Ça va, là, j'ai juste assez de joueurs. Ouais, c'est surtout parce que maintenant ils ont la licence. Ouh, quelle belle envolée. C'est pour ça que les... Enfin, peut-être, je ne sais pas. Je ne me suis pas fait gaffe, en fait. Faut dire que je regarde jamais la première ligue. J'ai jamais l'occasion, en fait, de regarder la première ligue. Je sais même pas où est-ce que je peux regarder ça. Je ne sais pas du tout. Allez, décalage, sauf que maintenant, il n'y a plus assez de terrain pour faire un autre décalage. La frappe! Le but le plus rapide de la Ligue 1! Ben c'est bien! Eh ben dis donc, mon pauvre, t'as vraiment du pot! On a dû te la faire souvent, ça là, mon petit Nico. Beansport, ouais, Beansport, je sais pas, je suis pas sûr de Beansport. Hein. Moi j'avais Beansport avant, il me semble pas avoir vu souvent des matchs anglais. Ouais, parce que je l'avais sur le PC, je conseille pas de le prendre sur le PC d'ailleurs, Beansport. Parce qu'il te manque la moitié des licences, quoi. Tu peux pas regarder la boxe, tu peux pas regarder le football américain, c'est la merde. Ils ont pas les licences de diffuser ça sur PC en streaming. Streaming légal, hein. C'est streaming légal, hein. Mais 5 buts en 15 matchs, ça fait pas beaucoup. Hein. Pour un attaquant, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul, mon petit. Non, sous quoi ça te passe. Bon, à ce contrôle, on aura dit un contrôle de mes joueurs. Bien joué. Allez, Palin. Allez, prends l'appel. T'es tout seul. Salvinho, le but. Et le poteau rentrant, ça fait 2-0. Ouais, un truc comme ça, peut-être. Ouais. Première ligue, ouais, mais je sais pas, Canal+, c'est Canal+. Non, je suis pas assez riche pour avoir Canal+. Non. Non, j'ai pas Canal+, c'est Canal+. De toute façon, je regarde pas assez la télé pour prendre des bouquets de télé comme ça. Moi, je rentre chez moi, je me mets sur mon ordi. Je regarde quasiment jamais la télé, si pendant que je mange. C'est tout. Le but de Salvinho, ça fait 2-0 au bout de 19 minutes. Le doublé de Salvinho, qui vient de marquer du coup 2 buts en 15 matchs de plus. Fait 7 buts en 15 matchs. Enfin, ça dépend s'il comptait les 15 avec celui-là ou non. Allez, le but de Bamba. Je plaisante. Wow, ça passait, c'était beau. Allez, on va le jouer loin derrière. Parce qu'on sait qu'on a des éléments grands. Ou des grands éléments. Et ça va être touche pour nous. J'aurais dit que c'était moi qui avais fait là. Pour une fois que j'allais être beau joueur et que j'allais dire, ah, ben, c'est à eux.
Oh, Palin est hors jeu! Palin! Palin! Ouais, Stéphane Paris. C'est ça, oui. Plus maintenant. Plus maintenant. J'ai cédé ma fortune à quelqu'un d'autre pour acheter un terrain, pour construire ma maison. Du coup, j'ai plus de thunes. Non, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, on est sur un projet immobilier avec ma femme. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis pas trop disponible parce que j'ai pas trop non plus le temps de faire des vidéos. Parce que pour faire les papiers et tout, je vous raconte pas les papiers, ce que c'est, le bordel, tout ça. Enfin bref, c'est un beau bordel, mais c'est aussi un beau projet. Et j'aurai ma maison normalement d'ici un an, j'ai ma maison. Et je serai content, je serai chez moi, je serai propriétaire de ma petite maison. Dans ma petite ville natale en plus. Oh là là, il a raté le ballon. Et du coup, c'est pour ça que j'ai plus d'argent. Parce que j'ai mis toutes mes économies dans la maison. Parce que ça vaut très cher. Oula, ça va faire. Ça. Oh là là. C'est pas bien ça, monsieur de 3 là. T'as pas voulu marquer un but, mon garçon. C'est pas bien ça. Ton coach, il va t'en vouloir. Ton coach, il va t'en vouloir, mon petit. Wow, monsieur l'arbitre, ça fait faute ça. Ça fait faute ça. C'est pas pour là la passe. Non, non, j'ai pas prévu de piscine dedans. C'est trop cher la piscine. Non, c'est pour ça qu'en ce moment ça va être un peu compliqué d'acheter de nouveaux jeux, donc désolé. Heureusement j'ai mon partenaire qui peut me fournir des jeux, mais bon j'abuse pas trop. Grâce à Gunplanet, ça va, ils peuvent me filer des jeux. J'ai un petit peu de sous que la chaîne peut me rapporter pour m'acheter un petit peu de jeux. Prochain jeu que je pense demander à ma chaîne, enfin à mon partenaire, j'ai essayé hein. Je vous dis pas quand est-ce que je vais demander ça, mais. Parce que j'essaie de pas abuser non plus. Je pense que ça sera Football Manager. Attention, ça ne veut pas dire que je vais faire une série dessus. Mais je pense que le prochain jeu que je demanderai à ma chaîne, enfin à mon partenaire, ce sera ça. J'ai eu le dernier jeu que j'ai demandé à ma chaîne, là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps en plus. Ils ont mis un petit peu de temps pour me répondre. Mais ils me l'ont envoyé quand même. Hein. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Et ouais, j'ai eu le dernier Warhammer là qui peut se jouer en multi. Mais j'attends d'avoir les sous de ma chaîne que je vais recevoir autour du 15 pour pouvoir en acheter un à ma chérie. Pour pouvoir faire des vidéos et des lives dessus. Sur le Warhammer Vermintide. Là, je sais plus comment, je sais pas même pas comment on le dit. Qu'elle sente moisie quoi. Les joueurs, ils étaient déjà partis dans les cages. Ouais, mais ça va, là, la partie papier, c'est. Ça veut dire le gros est derrière nous. Le gros est derrière nous. Oh non! Oh non, garçon! Comment t'as pu tout gâcher? Comment t'as pu tout gâcher? T'as vu la gueule de ta passe? T'es sérieux? T'as fait quoi de tous ces jeux? Comment ça, tous ces jeux? Comment ça, tous ces jeux? Quels tous ces jeux? Mon partenaire, je l'ai que depuis 2 mois. Hein. Donc, les deux seuls jeux que j'ai demandé, c'est. Pour le moment, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai demandé comme jeu? C'est quoi le premier? Ah oui, j'ai demandé. Non. Qu'est-ce que j'ai. Ah oui, j'ai demandé NBA 2K. NBA 2K, que mon partenaire m'a offert. Sinon, je pense que je l'aurais pas acheté. Et c'est quoi le deuxième jeu que j'ai eu? Ben, j'ai eu Warhammer. Et le troisième jeu que je pense que je demanderai, ce sera Football Manager. Le 2016. Allez, Sampaoli va rentrer. Makedjouf, il va rentrer. Marion, il va rentrer.
Et Assassin's Creed Rogue, on verra après, on verra après. On verra après, j'ai pas encore fini l'autre. Bon, de toute façon, il coûte plus grand chose maintenant le Rogue. Avec le dernier qui est sorti. Boycan. La finition, Boycan, la finition. Tu veux quoi, tu veux que t'achètes genre au PS15? Ben après, tu peux rien en faire, hein. C'est du démat, dématérialisé, tu peux pas le revendre, tu peux rien en faire, hein. Ouh, c'était pas joli, ça. Ouh. Comment on a réussi à la mettre, celle-là? Tous les jeux que t'as fini, ben, t'es obligé de les garder, c'est sur PC. C'est du dématérialisé, mon petit. Tu peux pas le revendre, ça n'a aucune valeur. C'est un peu l'inconvénient du PC. En tout cas, voilà, cet appel est sublime de Bamba et cette frappe. Que dire de cette frappe? Un petit peu, regardez l'effet que fait le ballon, regardez, hop là. L'effet intérieur et tout, lucarne opposée, c'est sublime. Sublime cette frappe. Bravo. Joli Bamba. Et ça fait 3-0. On est plutôt bien dans ce match. Va-t-on prendre la première place de la Ligue 1 sur ce match? Suspense. C'est pas une raison pour prendre des buts, les gars. Oh là là. Oh là 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 là. Oh non, oh l'enfoiré. Il finit au fond du tiroir. Non, mais ils finissent pas au fond de l'intérieur. Je te dis, c'est du démat, ça peut pas se revendre. Hein. Ça serait sur console, ça pourrait se revendre. Eh, les gars, vous êtes tous hors jeu, là. Je fais quoi, là? Bah ouais, mais... Ouais, ils ont plus de valeur. Mais écoute, moins cher à l'achat. Donc, dans un sens, un jeu comme FIFA, que je paye 30€ sur PC avant sa sortie, ça va. Surtout que je le torche bien comme il faut, le FIFA. C'est pas comme si... Ah, putain. Ça, c'est chaud. Un jeu comme FIFA, voilà, je passe beaucoup d'heures de jeu. Oh là là, cette détente qu'il a eue, mon petit loulou. Allez. Eh ouais. Bah après, de toute façon, les jeux comme FIFA, comme PES, une fois l'année passée, ça n'a plus de valeur. Enfin, ça n'a plus de valeur. Ça vaut plus grand chose. Hein. C'est un peu ça, les jeux qui sont par édition, par année, comme ça. Pour ça, là, j'ai eu NBA 2K. Moi, j'aimerais bien le. Voilà, j'ai fait la carrière mon joueur, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Pas de soucis, mon petit. J'aimerais bien, voilà. Continuer. Enfin, faire un peu plus, peut-être, sur NBA 2K. En plus, c'est un jeu qu'on m'a offert, donc toujours bien d'en profiter. ouais, on va continuer à faire travailler eux. Jacob, Manea, Marion, qui vont bientôt progresser. Rien de neuf chez Slity. Pourquoi rien de neuf? Il s'estime sous-payé. Bah, c'est lui qui fait le con. Il veut pas que je prolonge. Ah bah si. Oh non, par contre, là, t'abuses, là. 8000, ça fait beaucoup, hein. Je pense que City va pas rester longtemps avec nous. Il va pas rester longtemps avec nous, le petit. Je pense, hein. Si je refais une demande de fond. Monsieur le CA. Je vous ai... finir en milieu de tableau, ça c'est sûr. J'ai pas vu bien sûr quel classement on avait. Non, nous sommes leader de Ligue 1. À 1 point de Paris et à 2 points de Marseille. À 32 points, le Red Star est leader. Ok, François. J'en ai vu des images de Need for Speed, hein, sans aucunement te spoiler. J'ai vu qu'au niveau des cinématiques, c'était plutôt sympa. Enfin, moi, j'avais bien aimé. Cinématique avec des vrais acteurs, tout ça, j'avais bien aimé. J'avais trouvé ça bien fait. Il avait l'air plutôt... Enfin, après j'ai pas testé en jeu, mais... Je pense pas que je testais parce que les jeux de course...
Je course, j'ai beaucoup de mal, moi, avec les jeux de course. Allez. On est toujours avec la même équipe. Il y en a qui vont commencer à se plaindre. Sampao, il va dire qu'il joue pas assez. On va faire tourner un peu. Pinares, il va démarrer le match. Si j'arrive à sélectionner Slitty. Voilà. Moi, je pense que c'est le dernier match qu'on fait. Je vais garder le calendrier après, mais... Marion, il va débuter avec Salvino. Boykan, Jacob. Jigo, il va jouer. Et Emmanuel, il va jouer parce qu'il joue pas souvent. Il faut qu'il progresse, le petit, il faut qu'il progresse. Bonne soirée, François, et bon jeu. Ouais, dire te 3, mais après, c'est pas non plus mon domaine de prédilection, les jeux de course. Hein. Mais dire 3, c'est vrai qu'il était sympa. Il y a certains jeux comme ça, comme Need for Speed Shift. C'était un Need for Speed. Oui, c'était un Need for Speed. Le premier, j'avais bien aimé. Je le trouvais excellent. Je trouvais le niveau conduite, il était excellent. Il était vraiment... je l'avais trouvé vraiment bien. Moi, je m'éclatais en conduite dessus. Putain, ça date un peu, Need for Speed Shift. C'est sur Xbox. Je me suis jamais pris le 2, en fait. J'ai toujours voulu me prendre le 2, mais j'ai jamais pu. Ça, c'est con. C'est con que t'aies pas eu le ballon. Ça, c'était sympa, par contre. Le contrôle Marion était pas trop mal. Il était pas trop mal. Il était pas trop mal. Allez. Mon défenseur est rentré dans la cage. Il s'est trompé de cage. C'est pas la bonne cage. Oh. Ça passe à côté. C'est brillant. Il n'a pas brillé. Je crois que c'était brillant. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était brillant. Ouh, je sens les joueurs de Guingamp qui ont l'air assez chauds. Ils ont l'air assez chauds ce soir. Oh là 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 là, quelle passe. On joue encore une fois à la maison, mais c'est pas possible. On va jouer tout le match, toute la phase retour à l'extérieur, c'est pas possible ça. Oula. Ils sont fous. C'est quoi ces passes? Allez, Diego. Non, pas Diego. C'est pas le copain... Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle déjà? La fille, là. Je ne sais plus. Allez, Manuel. Face à le maître. On connaît le maître. On connaît le maître. Bien joué. C'était chaud là défensivement. Ils se sont bien sortis les enfants. Ben ça va la passe. T'as oublié la passe garçon. Wow. Wow. Dommage. Pas assez puissante. Ta patate Diego. Pas plus de puissance, ça m'aurait pas gêné. Ouais, mais c'est pas pour là. C'était pas pour là. Et hors jeu. Il est hors jeu. Il est pas hors jeu. D'accord. Tu parles de Dora, voilà, c'était ça. Exactement, j'ai cherché son nom. Il était pas hors jeu, le garçon. C'est un effet d'optique. C'est ça? Oh! Ça fait longtemps que j'ai pas fait une faute. Je vais en faire une, tiens. Je sais plus comment il siffle l'arbitre. Je les sens chaud les joueurs de Guingamp là.
sais pas pourquoi. Non, c'est pas pour lui. Il semblait avoir appuyé plus que ça. Non, c'est quoi cette offrande? T'offrande aux défenseurs, quoi. Non. Les gars, vous abusez, quoi. Vous êtes sales dans vos passes, quoi. Baka? Ils ont acheté Baka? Putain, ils ont les moyens. Je sens pas bien ce match. Je sens pas bien. Je les trouve bien, les gars, grimpés, là. Je trouve solide et tout. Ouais, c'était Dora. Dora l'exploratrice. Le copain à Dora. Donc ça n'a rien à voir avec le copain à Dora. Donc, hein, c'est Diego, c'est pas Diego. C'est Diego. Avec un J. Oula, cette petite aile de pigeon pour s'amener le ballon. C'était sublime, c'était un geste technique totalement volontaire. Ouais. Non, oh, oh, ce tacle. Ce tacle. Non, pourquoi tu es passé devant comme ça? Ce tacle défensif de fou. Non. Pinares, oh, tu m'as déçu là. Pinares, tu m'as déçu là. Ça sent le match script. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ça sent le match où tu perds la tête de la Ligue 1 sur un but en contre. Oui. Déjà, quand tu vois la gueule des contrôles de mes joueurs, tu te dis, va y avoir un problème d'ici la fin du match. Quand tu vois ce genre de passe. Je te dis, c'est obligé, c'est un truc qui va me tomber sur la gueule. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme passe. Enfin, comme passe, comme faute. Monsieur l'arbitre. Non, non, mais c'est pas pour lui. Bah ouais, mais... Marion, tourne-toi face à l'action, moi. T'as pas compris, toi. Non, c'était pas pour lui. C'était pas pour lui. T'as une deuxième chance, Marion. Non, oh, oh, pourquoi c'est trop bon. Putain, on est déjà en deuxième période. Ça passe. Ça passe. Non, c'est pas pour aussi loin. Bim. Ça marche, ça. Pression psychologique. Je ne commets pas de faute, moi. Jamais. S'il y a des fautes, c'est pas ma volonté. Mais ça sent, ouais, ça sent le match. Wow. Ah, ça, c'est trop con. C'est trop con, Marion. Ah putain, il est hors jeu. Benezé qui rentre. On connaît Benezé. Ouais, ça, ça sent le but, ça. Non, pourquoi tu m'as changé de joueur? Ça, ça sent le but. Il y avait un jeu, il y avait surtout faute, parce que charge dans le dos illicite. Mais non, ça non. Allez, on va pas faire un match nul, les gars, là. Putain, vous déconnez, là. Putain, 84ème, j'ai pas fait mon changement. D'où il vient, lui? Il arrive comme ça, direct, il met son pied, il te fauche juste le ballon, mais pas le joueur.
Wow. Ouais, t'es obligé de tomber, Pinares, sur ton truc là. Ton intervention, t'es obligé de tomber sur ton tir, quoi. Ça sentait le mec qui tombe exprès, quoi. Bon, le. Un peu plus forte la passe. Ah, oh, putain, non. Match nul, quoi. C'était pas terrible, terrible. Elle, c'est quoi comme prochain match là? Contre l'OGC Nice. On a Nice-Marseille. Mais on va s'arrêter ici. Tiens, on prend Paris, on coupe. 8e de finale de Coupe de la Ligue. On va pouvoir se venger. Pas de problème, mon petit Marion. Foiré, hein. Foiré, hein. Ah, c'est sûr que pour 8000 balles, le mec il est content quoi. Allez, on va s'arrêter ici pour ce live. On va s'arrêter ici pour ce live donc et en vidéo. Donc, on fera un match contre l'OGC Nice et un match contre Marseille. Voilà, et après, on continuera. On fera le mois de janvier et on se retrouvera, je pense, fin du mercato. Ouais. Fin du mercato en vidéo la prochaine fois, la fois d'après. Donc ouais, je pense que au prochain live on fera le mois de décembre et la fin du mercato. Et tout le mercato. Et on est qu'on n'a pas d'argent, on risque pas d'aller très loin. C'est ça. Donc allez, on s'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. On pourra faire des prêts avec option d'achat. Étant donné qu'on sera blindé de thunes à la fin de la saison. On est quand même premier. Putain. On est quand même premier. À un point d'avance sur Paris. Donc ça c'est bien. Et on n'a toujours pas de... Ah si, on a Salvino qui est avec 6 buts. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et après, est-ce qu'on a des passeurs? Ouais. On a Sliti, on a Salvino. Mon gardien, forcément, c'est le nôtre, le meilleur. De loin. Il doit avoir même notre deuxième gardien qui doit être dans le top, non? Même pas. Pourquoi? On va près de but. Il n'y a pas joué beaucoup. Allez, et au niveau des cartons, ça on s'en fout parce qu'on prend jamais, on fait jamais de faute, nous. On joue trop proprement. Allez, on s'arrête ici pour ce live. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker le live. Et n'hésitez pas à liker la rediffusion si vous regardez la rediffusion. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau live. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ce sera. Demain, il n'y aura pas de vidéo malheureusement parce que j'ai pas eu le temps d'en faire aujourd'hui. Donc demain pas de vidéo et demain pas de live. Donc demain vous êtes punis. C'est comme ça, c'est la vie. Non, demain il faudra que j'en fasse. Mais demain je peux pas faire de live. Enfin, je pense pas. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu. On verra. Enfin non. Enfin voilà quoi. Bon allez, je vous remercie d'avoir regardé le live et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur FIFA 16 ou sur un autre jeu. Allez, ciao. En plus, c'est la fin de la musique, c'est tout. C'est trop cool. Si j'ai perdu des matchs, je vois ton commentaire de tout à l'heure. Si, si, j'ai perdu des matchs. Bah, j'en ai perdu deux. J'en ai perdu un contre Paris et un match au début de saison. Je sais plus contre qui. Donc voilà, allez, c'est tout pour ce live. Allez, ciao.